Si tu veux streamer de manière sérieuse, utiliser deux machines sera aujourd'hui beaucoup plus optimisé que d'en avoir une seule énorme qui doit s'occuper de l'entièreté du travail, faire tourner le jeu d'un côté et streamer de l'autre, les deux de manière fluide évidemment. Aujourd'hui, on va se pencher sur le processeur avec deux DCPU auxquels on pense immédiatement quand il s'agit de faire de l'applicatif sans être hors de prix. Le Core i9 9900K de chez Intel et le Ryzen 7 3700X chez AMD. Quand on veut streamer sur deux machines différentes, on pense souvent que le tarif sera forcément beaucoup plus élevé. En réalité, comme chaque PC a sa tâche à effectuer, on n'a pas besoin d'avoir un processeur ou une carte graphique qui ait besoin de streamer et jouer en même temps. On peut donc s'y retrouver facilement niveau tarif, puisqu'un octocore dédié à l'encodage uniquement suffit très amplement en termes de performance. On a donc pris le 9900K et le 3700X, deux mastodontes, et on les a mis l'un face à l'autre pour voir jusqu'où on pouvait aller en termes de qualité. Vu les monstres qu'on a, s'ils sont dans une machine dédiée à l'encodage, la seule variable à prendre en compte est le preset auquel ils peuvent descendre. Si les deux ont autant de facilité pour streamer en preset slow par exemple, autant prendre le moins cher des deux. Attention quand même, il faudra prendre en compte les quelques euros de plus d'une carte graphique pour le Ryzen, ce dernier n'ayant pas de partie graphique interne, mais on parle de quelques dizaines d'euros tout au plus. Le 3700X est posé sur une MegaAce de MSI, quand le 9900K sera sur une TUF Pro Gaming, mais il s'agira du seul changement qu'il y aura entre les deux machines, outre le processeur. Pour des questions de stabilité, et donc de sérénité quand on stream, on les testera tous les deux à fréquence d'origine. Dans les deux cas, côté RAM, ce sont 32Go de Vengeance RGB de chez Corsair qui sont en place, cadencés à 3200 MHz et en case 16. Pour la carte graphique, on a pris une brique qui traînait, mais qui suffira amplement pour avoir de l'affichage. Pour que ce soit équitable, on l'a utilisé dans les deux scénarios, pour que le 9900K n'ait pas à gérer l'affichage même s'il a déjà un chipset graphique. Tant qu'on y était, on l'a quand même testé en parallèle en branchant l'écran sur son chipset, et on a refait un run par curiosité. En charge du stockage, on a posé un NVMe de chez Western Digital en 512Go, très amplement suffisant pour installer Windows, les drivers et OBS. Enfin, on a évidemment branché la machine à une connexion fibrée pour être sûr que tout soit au maximum et que seuls les processeurs changent. En ce qui concerne le logiciel de stream, on a choisi d'utiliser OBS Studio qui, en plus d'être gratuit, permet de contrôler tous les paramètres qu'on veut précisément. Dans l'onglet sortie, en X264 donc pour utiliser le processeur, on a réglé le bitrate en CBR à 6000 kilobits par seconde, avec un intervalle entre les images clés réglé à 2 secondes et le profil en high. Enfin, le preset, c'est le fameux réglage pour lequel on va chercher à descendre le plus possible dans la liste pour gagner en qualité. Dans l'onglet vidéo, on a réglé la résolution de base, mais également la résolution de sortie en 1920x1080, avec un filtrage de mise à l'échelle en bilinéaire. Étant donné qu'il n'y a pas de changement entre la base et la sortie, il n'y a donc simplement pas de mise à l'échelle, et le filtrage le plus simple et donc le plus léger sera le plus cohérent. Enfin, on a évidemment monté le débit d'image à 60 fps pour une fluidité maximale. Ne reste plus qu'à récupérer le flux d'un PC de jeu via une carte d'acquisition, la 4K 60 Pro de Elgato en l'occurrence, et on peut lancer le stream. Passer en NDI aurait parfaitement fonctionné également, en plus d'économiser quelques centaines d'euros, mais sur ce benchmark on voulait être sûr d'avoir un setup en local strictement identique pour les deux tests. Peu importe le type de jeu streamé, puisque la machine d'encodage n'a pas à s'en occuper. Il faut juste que les pixels changent le plus possible et qu'ils soient difficiles à encoder. On a donc préféré utiliser une vidéo qui sortira systématiquement de la même manière, à l'image près, mais qui bouge vraiment beaucoup et dans laquelle on retrouve beaucoup de vert, la couleur la plus compliquée à encoder. On a une vidéo en 1080p, 60 fps et à 130 mégabits par seconde, qui est ni plus ni moins qu'un assemblage d'enregistrement de jeux. Basiquement, c'est ce qui arriverait donc au PC de stream si on jouait à des jeux différents et il n'y a plus qu'à comparer les résultats en termes d'image et de fluidité. Prends également en compte le fait qu'on avait une fenêtre Chrome ouverte en parallèle pour avoir un retour du stream et du chat, et donc simuler une utilisation terrain comme le ferait n'importe quel streamer en somme. Préambule rapide, avec ou sans écran branché sur le chipset vidéo du 9900K, on s'est retrouvé avec exactement la même qualité d'image et le même comportement en cours de stream.
Premier point qu'on a remarqué pendant les tests, ni l'un ni l'autre n'arrivent à tenir le preset slower et il faudra être au maximum en slow. Second point, si le 3700X était utilisé entre 60 et 70% en permanence, le 9900K était un petit peu plus repoussé dans ses retranchements avec de 90 à 100% d'utilisation pour exactement le même travail. Pour que tu puisses toi-même te faire une idée, on a synchronisé la vidéo d'origine avec les rendus Twitch, téléchargés directement depuis le site pour être exactement tels qu'ils sont apparus sur la plateforme. Pour la suite, on te laisse regarder par toi-même rapidement ce que ça a donné et on mettra le comparatif entier en non répertorié dans la description. Pour résumer, outre l'aspect un peu délavé engendré par l'encodeur quel que soit le processeur, on retrouve globalement la même qualité d'image sur le 9900K ou le 3700X et on le voit parfaitement en faisant des arrêts sur image. Là où par contre on a remarqué une nette différence, c'est au niveau des freezes et vu le prix du 9900K par rapport au 3700X, on a été pour le moins surpris. Tu l'auras compris, c'est bel et bien le 9900K qui s'est retrouvé à genoux, notamment à partir du moment où il a dû encoder du Fortnite. Il avait déjà commencé à montrer des signes de faiblesse sur Steep, où il a commencé à se décaler après avoir raté des images, mais Fortnite lui a fait tirer la langue à tel point qu'on s'est retrouvé avec quelques micro-freezes tant l'image était demandeuse. Côté 3700X, rien à signaler si ce n'est une régularité à toute épreuve. Si on se concentre sur les textes de Fortnite, qui sont systématiquement sacrifiés par l'encodage, ils bavent évidemment un peu, mais restent majoritairement très lisibles dans les deux cas. À choisir donc, pour de l'encodage de stream pur et dur, au studio Top Hacha on préférera opter pour le 3700X, tout en l'épaulant d'une carte graphique à quelques dizaines d'euros, uniquement là pour afficher ce que le PC de stream sortira. Si tu prévois donc de streamer de manière sérieuse, quelle que soit la plateforme d'ailleurs, et que tu optes pour un double setup, alors tu sais vers lequel des deux processeurs t'orienter. Si par contre tu veux streamer, toujours de manière sérieuse avec une seule machine, alors la prochaine vidéo sera pour toi. On y testera ces deux processeurs évidemment, mais ils auront à streamer un jeu qu'ils feront tourner en parallèle et seront mis face à une carte graphique et son encodeur NVENC. Si cette vidéo t'a plu, tu sais quoi faire pour nous le montrer. Pense à t'abonner si tu veux suivre les prochaines vidéos, à poser ton like si celle-ci t'a aidé à choisir et dis-nous en commentaire si un benchmark en particulier t'intéresserait. D'ici là, on se retrouve dans la prochaine vidéo.